Attention, zanmim, péché ça pas gen pardonnable devant bon Dieu. Et bien, quel type de péché lié? Et bien, la Bible dit nous, bon Dieu est capable de pardonner péché nous si toutefois nous confessons nous à travers sacrifice Jésus-Christ sous la croix. Mais cependant, Jésus dit nous dans le Nouveau Testament, il existe un péché qui pas gen pardonnable devant bon Dieu. Bon Dieu toujours pardonne nous, l'en fait ça qui mal yo. Et si tout l'en confesse péché nous yo devant lui. Non seulement bon Dieu li pardonne nous et li purifie nous en même temps. Si nous capable garder dans 1 Jean 1 verset 9, mais si nous reconnaître devant bon Dieu nous fait péché, nous mettre bien confiance dans lui parce qu'il a fait ça gain pour faire là, l'a pardonné tout péché nous yo, l'a nettoyé nous en bas tout ça qui mal. Eh bien exactement de qui péché la Bible a parlé nous là même. Eh bien c'est ça même nous venir répondre dans cette vidéo ça journée aujourd'hui là. Pas oublier c'est toujours ensemble avec au Fréchal. Et bien ça on gain pour faire pour nous. Abonnez avec page ça, like vidéo, à partager le bayon l'autre monde connaît qu'a pas nécessité yon genre d'information comme ça. Normalement, péché la Bible dit nous qui pas gain pardonnable devant bon Dieu, c'est qui péché lié exactement. Et bien on font coup de pied dans Bible là, si n'a regarder dans Matthieu 12 verset 11 et verset on dit on si n'a regarder dans Matthieu 12 verset 31 à 32. Mais pour qui ça péché ça pas gain pardonnable devant bon Dieu? Alors la Bible dit nous comme ça, Saint-Esprit c'est lui-même qui capable sonder profondeur bon Dieu. Et lui c'est esprit bon Dieu même qui donc l'a blasphémé contre l'esprit bon Dieu, et bien c'est contre bon Dieu même ou blasphémé. On dit si nous capable lire pour dans Matthieu 12 verset 31 à 32, mais qui ça le dit? C'est peut-être ça m'a dit nous. Bon Dieu va pardonner moun tout péché ou va faire. Toute mauvaise parole qui va sortir dans bouche. Mais quand ta pour moun qui va parler sous Saint-Esprit a mal, pas gain pardon pour yo. Moun qui parle mal sous moun bon Dieu voyé dans la chair, il a pardonné. Mais moun et ben qui parle mal sous Saint-Esprit a, il pas joindre pardon. Ni koulia ni Nathan qu'a venir après ça. Et bien comment me capable connait si me fait type de péché ça qui pas gain pardonnable devant bon Dieu. Et bien me vinn dire si ou ta remet et sou ta remet connait amen et bien qui ça gagné et là au fait genre des types de péché ça et qui conséquence qui caché derrière. Et bien nous capable dire et nous pral détailler pour quelques signes et qui capable prouver et les que ou même ou son monde les ou blasphémer dans bon Dieu qui conséquence et nous capable dire qui caché derrière et bien les que ou même ou blasphémer dans bon Dieu. Et ben automatiquement pral gagner une séparation entre ou même avec bon Dieu, ça c'est une. Et deuxième bagaille et ben qui pral passer les que ou même ou blasphémer dans bon Dieu. Ou pas jamais senti présence Saint-Esprit bon Dieu dans la vie encore, c'est comme si vous son monde qui libre pour faire sauver et qu'on s'attend déjà sur route perdition. Et troisième bagaille qui est terrible, c'est que ou pas monde ou t'es encore dans Jésus qui donc ou pas héritier non seulement des royaumes bon Dieu et non seulement tout ou pas petit bon Dieu encore. Parce que blasphème ou bien parler Saint-Esprit bon Dieu mal, conséquence qui cache des péchés ça, eh bien c'est parce que ou a perdu héritage ou dans Jésus et ou a perdu le salut qui c'est la vie bon Dieu pour mettre nous qui pas bicham finir. Mais ça le dit dans Romains 8 verset 16, l'esprit bon Dieu a ba l'esprit pas nous l'assurance nous c'est petit bon Dieu nous. Alors m'a dit eh bien sous terre mes vidéo ça zanmim, ça ou gen pour faire c'est pas oublier partager et like page là. Abonnez avec channel Zan pour pas perdre genre des informations ça yo et ben qui capable redresser sous chemin perdition qui ont même outé ya. Pas oublier nous là pour toujours protéger des vidéos ça pour cap bien cap former et informer et ben concernant de toute bagaille qui ont même ou pas ta doit faire et tout ça ta doit faire tout et ben pour même pour capable et bien et vivre une vie qui confortable devant bon Dieu. Et si nous ta capable faire et bien un petit coup de définition et sous mot blasphème non, parce que dans pile monde qui bien doit pas connaître qui ça blasphème, on dit blasphème si n'a regardé à travers recherche nous gain pour définition
eh bien c'est profanation non bon Dieu ou sinon Jésus-Christ ou soit l'Esprit Saint. Et à travers des blasphèmes, les gens ont blasphémé le bon Dieu, eh bien son monde qui gagne gros punition, eh bien bon Dieu sous route. Vous comprenez? Ou son monde qui a gardé pour eux, mon cher, et à travers des blasphèmes ou blasphémé le bon Dieu, ou qu'a saisi un pile malheur à tomber sous. Vous comprenez? Et si nous regardons pour nous, ben l'autre définition nous joint ecclésiastique, et ben latin blasphémie qui sortit dans blasphémie grecque, parole ou soit discours qui offense divinité, religion ou soit ça qui considéré comme respectable ou soit sacré. Est-ce que ouais, ça comme si y a monde qui blasphémé, et bien non bon Dieu, et bien on dit c'est un monde qui gon gros malheur qui ka tombé sous lui à n'importe moment. Et m'a dit et li important pour même pour faire en pile prudence quand ouais un monde a parlé mal de non bon Dieu, un monde qui a parlé mal de Saint-Esprit bon Dieu, et bien un monde comme ça pas camper beaucoup d'il sinon ou capable d'un gros malheur qui a tombé sur vous. Alors amis, et bien nous rete là avec aujourd'hui là. Et bien prochaine vidéo n'a va gagne pour nous porter pour vous. Besoin abonner avec page là pour pas rater et activer on dit petit cloche notification pour l'enlaguer et ben pour même pour capable toujours joindre yon genre de vidéo comme ça que nous même nous pas jamais suspendre faire recherche nous pas jamais suspendre chercher et pour nous capable porter et ben tout genre de information que nous même nous connaît cap utile non seulement et dans monde ça et dans monde et bien spirituel. D'accord? Que bon Dieu bénisse.